16,5 kg de cannabis, 538 grammes de cocaïne, une belle prise pour les douaniers du port de Bastia hier. Au total, à la revente, la saisie avoisine les 200 000 euros. C'est dans cette voiture, fouillée de fond en comble par les douaniers, qu'était cachée la drogue. Dans ce petit casier aménagé sous le pare-choc arrière du véhicule, les hommes de la brigade de surveillance du port de Bastia découvriront 16 paquets remplis de drogue. Tout commence par un contrôle de routine à la sortie de ce navire en provenance de Toulon. L'homme seul à bord du véhicule immatriculé dans le Jura est déjà ciblé par les renseignements douaniers. La fouille sera donc poussée jusqu'à cette découverte. Maintenu en retenue douanière, l'homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte par le parquet de Bastia. Cette garde à vue peut durer jusqu'à 4 jours. Les investigations se poursuivent pour rechercher d'éventuels complices.